Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vais me chercher un café, puis j'arrive. J'arrive. Installez-vous bien, j'arrive. Wolf, comment tu vas? Oui, t'inquiète pas. Bah, ça va tranquille. Là, je me prends un café, c'est pour ça que. J'espère que tu vas bien, que tu vas mieux en tout cas. Sinon, moi, ça va. J'espère que toi aussi. Que t'as bien dormi, tout ça. Et t'inquiète pas, hein, je comprends pour la 4G, c'est pas grave. Ça fait plaisir que tu passes en tout cas, même si c'est quelques secondes, ça fait plaisir. C'est toujours, ça fait toujours plaisir. M'entends-tu d'ailleurs? Ah oui. Ça va pas, non, là, ça fait 1 heure et demie que j'attendais. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Ah ouais, bah. Il doit avoir. Pardon, il doit avoir un gros problème le bus. Soit il est tombé en panne, soit malheureusement il y a eu un accident, soit. Vous avez pas été prévenu de quoi que ce soit? Attends, je vais chercher le café, j'arrive. De quoi te mettre de bonne humeur pour le matin, la journée. Je sais pas, ils n'ont pas prévenu, je vais arriver en retard. Bah ouais, j'avoue. Et t'as moyen de prévenir ton boulot ou... Parce que les bus c'est involontaire, tu peux rien, c'est pas de ta faute. Coucou mon petit malo, comment tu vas? Ta râleuse préférée. Comment tu vas le petit malo? Fait plaisir de te voir. Mais mon petit malo, essaye de répondre vite quand je te parle sur Discord. Parce qu'à chaque fois, je te propose de jouer, tu me réponds plusieurs heures après. Donc forcément après, quand toi tu peux jouer, ben moi je peux pas, comme hier j'étais couché. Hein? Faut qu'on arrive à se caler, mon petit Malo. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Là, je suis en train de touiller mon café, donc. Je me réveille doucement, j'ai la tête dans le cul. Alors, Rebecca, elle est là, elle a mal au ventre ce matin. Je la mettrai au collège si ça va mieux ce tantôt. Non, ça va. Et toi? Comment se passe ta nuit? Mais oui, on n'a pas les mêmes horaires, c'est ça qui est dommage. On n'a pas les mêmes horaires, puis moi je suis maman, donc pas les mêmes obligations non plus.
Toi, je ne sais pas si t'as des enfants, je crois pas. Je sais plus. Voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte et on arrivera à trouver un endroit. Mais j'espère vraiment que ça t'apportera pas de problème parce que tu peux rien. Et moi, travaille de nuit. Bah oui, voilà. Exactement, mon petit Malo. C'est compliqué de se caler tous les deux, c'est chiant. Et quand on y arrive, souvent, on peut que 1 heure ou 2, quoi, c'est nul. Ça gave. On arrivera à trouver. Quand t'es que t'es de repos, dis-moi. Parce que moi, je travaille pas, donc je suis en repos tout le temps. Non, t'inquiète, mon patron, il fut le sympa, donc... Ah, bah, tant mieux, là. Et je bois mon café, hein. Après, on joue, là, je bois mon café, hein. Je l'ai prévenu, ça devrait aller. Bah, c'est cool. C'est pas comme si tu le prévenais pas, en fait. Donc, c'est bien. Après, les transports, personne peut prévoir, quoi. C'est chiant. Les transports en commun, c'est bien et pas bien parce que c'est bien parce que t'as pas besoin de voiture, tout ça et tout. Mais au final, t'es otage des transports en commun, quoi. Quand il y a une couille comme ça, t'es obligé de subir, quoi. Tu peux rien faire. Donc c'est chiant. Alors dis-moi mon petit Malo, quand c'est que tu veux qu'on joue toi et moi? Quand c'est qu'on reprend à Wyatt? Dis-moi tout. Après, faudrait qu'un soir j'arrive à tenir jusqu'à minuit, mais je suis tellement crevée en ce moment. Après le week-end, je sais pas si tu peux toi. Moi, le week-end, j'essaie de jouer que l'après-midi. Et encore, j'évite de live la journée pour le week-end parce que comme je suis pas toute seule, hein, c'est chiant. Puis si on a DSL, on n'oublie pas, donc bon. Je serai en fibre, ce serait réglé. Et je m'en fous. Mais la DSL, le week-end, c'est compliqué. Il est beau ton badge, mon petit Malo. Je sais même pas si moi j'ai le même ou pas. Attends. En même temps, on va faire la petite pub. N'hésitez pas, les gens. Vous êtes les bienvenus. Ah oui, j'ai le même aussi. 22 mois. Ok. Je sais même pas lesquels. Ça fait combien de temps que. Attends, ça fait combien de temps que je suis affiliée? Votre abonnement. Anniversaire le 10 juin. Donc le 10 juin, ça fera 23 mois. D'accord. Quasi 2 ans. Au mois de juillet, ça fera 2 ans que je suis affilée. Ça passe vite, putain. Ma copine se sent mal maintenant, elle s'en veut de m'avoir abandonné au bord de la route. Comment ça, t'as abandonné au bord de la route? Hein? À la sortie de la voiture? Ou c'est une métaphore pour dire qu'elle t'a laissé tomber? Je viens de regarder un qui a joué à Crash et ça me donne trop le goût d'y jouer. Bandit truc là? Bah c'est cool Malo, je dis si tu... Même si on a des jeux Switch en commun. Attends. T'as pas Mario Kart toi? Je crois pas. Alors attends, j'ai quoi moi? Mario Kart Deluxe. Animal Crossing. Pokémon. Oui, j'ai des Pokémon. Captain Toad, Spirit, c'est pour Rebecca, Minecraft Dungeon, Mario Golf, Instant Sport Tennis, Yoshi,
Ah, mais il y en a d'autres. Putain, Rebecca, les a laissés dans sa chambre. Je fais chier. J'ai le Mario 3D All-Star, je crois. Ah, tu l'as Mario Kart. Ah, ben, c'est cool. Si des fois tu veux qu'on joue, t'hésites pas. J'ai aussi le. Oh, je sais plus. Rebecca, elle garde tout dans sa chambre. Je fais chier, là. Après, j'ai perdu la carte, mais remarque. En même temps. Bah, c'est elle qui m'a déposé à l'arrêt de bus, donc elle pense que c'est sa faute. Ah, mais oui, mais ça, elle pouvait pas prévoir. Elle pouvait pas prévoir, hein, toi non plus. Hein. C'est un truc qu'on peut jamais prévoir. Comment c'est bien, mais au final, t'en es otage quand il arrive un truc, quoi. Continue, Rebecca, garde tout. Ben oui, voilà, ça, elle y peut rien. Je reviens, je vais voir si elle s'est endormie. C'est bon, elle dort. Si, elle a école, mais elle a grand mal au ventre ce matin, donc je préfère la garder ce matin. Et si c'est passé, je l'emmènerai à midi. Je pense qu'elle est dans sa mauvaise période. Parce que Rebecca, en fait, elle fait partie des filles que quand elle a son truc de fille, ça lui fait très mal au ventre les 2 premiers jours. Donc je pense que c'est en train d'arriver. Donc du coup, je la garde ce matin et si ça passe. Bon courage, Wolf. J'espère vraiment que ça ira, que tu seras pas trop en retard quand même. Plein de bisous. Voilà. On va pouvoir jouer, pardon. En tout cas, mon petit Malou, je suis pressée de jouer avec toi. Hein. J'ai vraiment envie de jouer avec toi. Je veux pas que tu en doutes. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à se caler. Alors attends, comment ça marche ça déjà? Ok, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Ok. Moi je m'accroupis comme ça. Comment je cours? Même pas planqué dans l'armoire. Je vais continuer tout. Est-ce qu'elle vient de mon bord ou elle passe, elle reste direct de l'autre bord? De l'autre côté. Ben oui, faut qu'on arrive à se caler, mon petit Malo. Là, le truc est tombé, donc. Mais je pense qu'il reste dans le mur. Derrière le mur.
Coucou Marvel, comment tu vas? En tout cas, mon petit Malo, tu regarderas quand tu es disponible et quand on peut. Non, mais avance, non? Putain, on voit tout. Je sais pas si elle voit la lumière du truc. Croyez qu'elle voit la lumière? Tu vas bien, Wolf? Ben, en tout cas, tu regarderas ça, mon petit Malo, et on se calera ça. Je renvoie un message à l'école. Ok, donc là. Entendu? Allez, on y va. Au pire, on se fait buter. Le truc, elle est juste là, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Je sais pas si en fait en poussant le truc ça va l'attirer de toute façon. Je suis cachée ou elle me voit? Pas de soucis mon petit malo, gros bisous. Bisous bisous. N'hésite pas à me dire pour... Ok. Ah, elle
vas-y, cours. Les lampes d'exercice repoussent temporairement les ennemis, mais faites attention. Ok. Ok, faut aller où là? Mais on revient où on était venu la première fois. Un origami. Ok. Ça va, Marvel? Attendez. Ok, j'espère que ce petit jeu vous plaît. Je l'ai découvert l'autre jour et franchement, j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Ah, j'ai oublié d'activer le mode streamer. J'aime bien l'activer sur Discord parce que ceux de Discord qui font pas attention, qui font pas forcément attention à la notif en voyant mon pseudo, ils voient que je suis en live. Parce qu'il y en a peut-être du Discord qui ont rendu le serveur muet, donc. Voilà. On grue en papier, donc pivoter. Est-ce qu'il y aurait un truc sur la grue? Ok, donc là on a une arme. Mais bon, là, on peut pas voir où qu'elle passe. C'est dommage. C'est dommage. Mais je pense qu'elle reste là où... J'arrive à cibler son... Comment ça s'appelle? Sa zone d'activité, on va dire. Ok, donc elle va pas plus de 3 mètres. Ok, à partir de 10 mètres, c'est bon. En dessous de 10 mètres, ça devient rouge le contour. Mais
Bon film à toi, mon petit Malo. Donc on va sortir après. Putain, mais dégage la mouche là. Oh! Maximum avec 11 mètres, okay. 12 mètres. Donc à partir de 10 mètres, je sors. C'est pas grave, comme ça on verra où on est, où elle va. Ok, donc elle va juste devant. C'est pas grave, je voulais voir où elle allait. Donc en effet, elle va juste devant. J'ai fait une petite commande il y a quelques jours. J'ai dû la mettre en pub, je sais plus. Mais voilà. Sur le live maintenant, j'accepte pas que vous parliez de vos chaînes, vos lives ou les lives des autres. Voilà. C'est juste un petit rappel et une petite commande à mettre de temps en temps si vous voyez que ça arrive. Je suis un grand fan de films de jeux et de figurines. Ah, c'est cool ça, Marvel. Tu me l'avais déjà dit, je crois. Ok, l'interrupteur est là. Que là, il y aurait un endroit où se cacher. Me cacher là. Elle est stylée, sa robe, j'aime bien. Si loin, on m'est arrivé par derrière. Jusqu'où? Ok. On va se faire avoir. Vite, vite, vite!
croyez qu'on peut l'enfermer? Non. Oh, c'est un malentendu. Elle est où la porte? Ah, il y a l'autre là. Approchez-vous de l'élan d'âme pour l'attraper. Ok, ça fait quoi? Mais ça fait rien du tout. On fait juste un truc. Ouais, ça fait rien quoi. Allez, on avance. C'est sympa tous les bouquins. Poupée débile. Je trouve le jeu, il est vraiment stylé. L'autre va arriver, hein. Ah, il y a un escalier. Imaginez si tout ça, c'était des araignées. Oui. Je peux même pas m'approcher. J'aime bien la musique du truc. C'est super bien fait le décor, franchement. Je reviens, je vais prendre un médicament, je commence à avoir mal de tête et avant de passer la porte, j'arrive. Et bravo Wolf pour le level. Merci beaucoup. Que vas-tu faire de beau aujourd'hui, Marvel? Peut-être prévu en ce lundi, je crois. Ouais, lundi. Ah, la Doliprane prêt. Ça va aller.
obtenu plongé dans les ténèbres. Ah, c'est stylé l'icône en bas. J'aime bien. J'attends maman qui va venir m'aider un peu dans le ménage et les courses. À... Ouais. Les couleurs sont des éclats de lumière. J'aime trop cette phrase. C'est tellement vrai. Oh, c'est beau. Pour traverser au-delà du fleuve l'été et par mes propres actions, donne-moi le passé. Tiens-toi ferme face à la peur. Et sois témoin de mon véritable désir. Elles sont belles les phrases. Réveille ton passé. Emplis-le de nouvelles couleurs. Laisse les pores de la perception être purifiés. Et quand les fissures de ta grotte s'ouvriront brutalement, une échelle d'espoir s'ouvrira devant toi. Donc il faut qu'on trouve une échelle, c'est ça? C'est mignon. J'écris à Malo parce que comme il m'a dit qu'il avait pas le son, c'est sympathique. Hein? C'est beau, je trouve. Hein. C'est vraiment stylé. Hein. Jessie Rim, le suspense, je connais pas du tout. Ok, là, je peux y aller. Je crois qu'il y a un autre passage où on peut aller. Ok, mais je crois que c'est peut-être au même endroit. Ah oui, c'est vrai que l'endurance, ouais, il se fatigue vite celui-là. C'est beau. Hein? Hop. J'ai baissé le son parce que. Pour vous le son du jeu en fait. J'ai envie d'accélérer et de bien courir mais je me dis il suffit qu'il y a l'autre qui débarque là. Je veux pas finir être essoufflé quand elle va arriver quoi. Bah ben, c'est cool. J'espère que vous prenez plaisir à découvrir ce petit jeu qui vous plaît. Et franchement, je suis contente d'être tombée dessus. J'aime beaucoup. C'est un peu genre Little Nightmare, les trucs comme ça, j'aime bien. Notre ami là je pense. Explorer la chambre. Ok. C'est ça que t'appelles une chambre. Je dis c'est plutôt une baraque, oui. Explorer la chambre, je vais tout fouiller et finir par la chambre.
Oh putain! Ok. Donc c'est ici que ça se déclenche. Ok, très bien. Donc on va par ici. Ah bah merde. Bon. Bah écoute. Par contre, je cours pas. Pour, si je dois courir. J'ai sur le lit, sous le lit, j'ai par quoi? Non, des patients, ça me donne. Oh là là, quoi lire? Dans l'utilisation des antidépresseurs sur ce patient, l'effet pharmaceutique des antidépresseurs généraux et l'inhalation immédiate de la réabsorption pharmaceutique. Oh là là! Pharmacologique des antidépresseurs généraux. Non, qu'est-ce que. Oh putain, j'ai déjà lu. La réduction importante de la sensibilité des récepteurs et le blocage de la réabsorption de norépinéphrine. Norépinéphrine, voilà, c'est facile à dire en fait. Norépinéphrine. Qui entraîne une augmentation de la. Oh là là, il y a trop de trucs, hein. Ouais, si vous voulez lire, hein, vous faites pause. Hein. Oh. Trop de termes, c'est. Mettre les trucs qui tombent. Du coup, alors attends. Est-ce que. Vas-y, pousse-toi. Je reste là, est-ce que. Vas-y, vas-y, voilà. Ah, c'est un miroir, ça m'a fait peur. Ok, donc je pense qu'il fallait que j'avance pour pas me laisser bloquer. Bonjour? Caca derrière. Donc il y a certainement un passage pour aller chercher des indices de la réalité et obtenir la clé. Ok. Je te suis mon pote. Hein. Maintenant, je fouille avant parce que tout à l'heure on a été bloqué. Hein. Vous pouvez déplacer les quatre environnements ou les escalader pour atteindre des amouras plus élevés. Ok. Donc ça, je peux le déplacer. En tout cas, j'espère vraiment que Wolf a réussi à avoir un. Yes! A réussi à enfin avoir un moyen de transport. Donc, ça, où c'est que je pourrais le mettre? Escalader, pardon, quelque chose.
améliorer à escalader. Ah, top. Top, top, top. Illustration des 5 contacts. Ok. Je peux pas zoomer. Là, c'est sûrement dans cette pièce-là. Ok, donc c'est pour prendre un truc ici, d'accord. Je pense. Après, j'ai pas envie de passer dans l'autre pièce parce que je me dis si ça me bloque comme tout à l'heure. Mais tu vas prendre la clé, il va y avoir la morue là. Attends. Attends, attends. Est-ce que je peux me cacher quelque part? Il faut une clé, ok. Où puis-je me cacher? Bon, mais nulle part. Bah, comme ça au moins c'est fait. Bien avoir Tartampionne là. Là peut-être qu'on peut se cacher là, remarque. Là. Tirelire cassée, une petite tirelire adorable offerte par les parents pour aider l'enfant à mieux comprendre le principe de l'argent. Bizarrement, elle s'est cassée en morceaux. Ouais. Pauvre petit cochon. Oh! C'est beau ces petits trucs là. D'accord, donc ses parents se disputaient, il en avait marre de les entendre. D'accord. C'était douloureux pour lui à chaque fois que ses parents se... Ah, les grues! On pourrait pas mettre ici. Hein. Les oreilles à chaque fois qu'il entendait les cris de ses parents, je pense. Ça va déclencher l'autre, hein? J'en suis sûre, moi. Donc, attendez. Donc, cette clé-là, elle ouvre quoi déjà? Cette porte-ci. J'ai juste à voir ça tourner le live sur le PC. Ça va Marvel? Tu passes un bon début de matinée? En tout cas. Voilà. C'est vraiment plaisir de te voir en tout cas. Ok, donc ça... Ok, c'est bon. Ça va déclencher notre copine. Ah oui, d'accord, ok. Oh, on va partir en cacahuète. Je suis sûr que ça va déclencher l'autre morue, là. Un long couloir comme ça. Save, ok.
revenir si besoin, enfin pour le moment. Je vais étudier le couloir avant d'appuyer sur les trucs. Ah ouais, je peux appuyer sur tous les bordels là. Ok. La girafe, elle va se mettre en mouvement, non? Elle va venir me manger, je sais pas ce quoi. Ok, donc il me faut la clé. C'est verrouillé, il vous faut une clé pour l'ouvrir. Résolvez le puzzle des peintures. Alors, à mon avis, il va falloir mettre les tableaux dans l'ordre de l'énigme. La forêt d'automne est couverte d'or par les rayons du soleil. Alors que je marchais dans un champ rempli de violettes et que je traversais l'étang de lotus vert, dans les dernières lueurs du crépuscule, la terre se met lentement en bleu sombre. Et mon cœur brûlait d'une rouge passion tandis que je pénétrais dans le pur château blanc. Ok. Donc, à la première lecture, je dirais qu'en dernier, c'est quelque chose de blanc. Donc, ce qui peut se reporter à l'hiver. La forêt d'automne est couverte d'or. Donc, je pourrais dire limite un paysage d'automne, vous savez, avec les feuilles quand elles tombent de l'arbre, un peu marron, beige, tout ça. Alors que je marchais dans un champ rempli de violettes, donc printemps. Les dernières. Donc je dirais automne, printemps, été, hiver. Automne, printemps, été, hiver. On va voir. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec les saisons, hein. Alors, printemps. Ah, mais il y en a beaucoup! Donc qu'est-ce qui est blanc? Même pas blanc ce bordel. Ah non, ok, faut que j'appuie. Alors attends. Ok. Attendez. Je vais prendre en photo l'énigme. Comme ça m'évitera de toujours revenir dessus parce que je me dis. Suffit que quand. Si j'y reviens, ça annule le truc. Si jamais. Parce que suffit que si je reviens au truc, ça annule l'acte d'avant. On sait jamais. Alors. La forêt d'automne est couverte d'or par les rayons du soleil. Ok, la forêt d'automne est couverte d'or par les rayons du soleil. Je dirais celle-ci. Alors que je marchais dans un champ rempli de violettes. Et que je traversais l'étang de lotus vert. Dans les dernières lueurs du crépuscule, la terre se muait lentement en bleu sombre. Dans les dernières lueurs du crépuscule. Je dirais ça. Et mon cœur brûlait d'une rouge passion. Tandis que je pénétrais dans le pur château blanc. Du coup, celui-là. Yes! Ah, j'ai entendu un bruit, donc je pense que c'est bon. Ah, ou pas. Ah, bah je pense que si, parce que regardez, tout est en vert maintenant. Ah, yes! Ouais, je suis. C'est cool, je suis trop forte.
Ouais, bah, après, j'ai préféré prendre en photo parce que je me dis, il suffit que vous activez un truc et que, en retournant lire le machin, ça l'annule. Bon, la clé est quand même assez loin de la porte, hein, donc l'autre elle va débarquer sans doute. Aucune incident si je vais dans les lumières? Non. On va se tra être transformé en steak haché, les enfants. C'est un petit peu flou, j'ai l'impression, non? Il y a un Lego qui est tombé, mais je sais pas s'il se relève ou pas. Ok, le Lego il tombe. Ok, cool. Ok. Ça va, c'est facile en fait, hein. Les smileys là, je sais pas si c'est. Si c'est de bon augure, les sourires là. Bourrer dedans les trucs là. Il y a un truc noir là. Ça me fait tellement penser aux dragibus. Les dragibus noirs, c'est mes préférés. Mais franchement. J'adore ce petit jeu. Je suis vraiment contente d'être tombée dessus. J'espère vraiment qu'il vous plaît aussi. Ok, donc il y a un truc ici. Et que la découverte vous plaît autant qu'à moi. Après, je sais qu'il y en a un qui adore le jeu parce qu'il me l'a dit en MP hier. Donc j'espère que cette rediffusion te plaira aussi, car et que le jeu continuera de plaire comme avant. J'ose pas trop avancer parce que j'ai peur que ça déclenche un truc et qu'on gâche, qu'on rate des trucs après. Ok, donc là, c'est pas grave, on a quoi? Ok, il y a une porte ici. Des bonbons! Ah, oh, chier. Chercher des indices de la réalité et quitter la pièce. Ok, on peut faire pendant que. Ok. Maman, elle le gronde. Okay.
triste. L'enfant, il est malheureux. Pourquoi tu bouges, toi? Si c'est l'autre Maury, hein? Oh, regardez! Oh, c'est une copine pour Bilky. Appuyez maintenant L2 pour utiliser la capacité de détection. Utilisez les empreintes de pas pour localiser la clé cachée. Ok. Ah, ok, d'accord. Oh, elle est là. Ah, mais on peut pas la prendre. Comment on la prend? Mais elle est là la clé, mais je peux pas la prendre. Pour aller sous le... derrière le fauteuil, non? Et comment je la prends ta foutue clé là? Merde. La conscience de Bilky est vide. Ok. Bon, on voit qu'elle est là, la clé, mais on peut pas la prendre. Quoi là? Ok, bon. Peut-être qu'on pourra plus tard. Hein. Mais oui, mais on l'a, la clé, mais donne-la-moi. Non? Bon, là, on voit que les traces de pas partent de là-bas. Mais alors là. Peut-être que ça nous indique autre chose. Sauf que... je sais pas comment on peut avoir la... avoir la conscience. On va essayer de fouiller partout. Hein. Hé, hey, monsieur le robot! Oh. Ah, ça doit être ça. Ah, mais je peux pas utiliser ce bordel-là. Ok. Ah ok, donc si je me mets devant ça, ok. Ça aspire. Donne-moi. Ok. Ça s'arrête à un moment ou... tant que je suis devant, ça le fait. Non, ok. Mais oui, mais... je bouge les trucs, moi. C'est bien beau de mettre des trucs, mais... moi, je les aime, moi. Ok, donc il y a un truc ici. Il y a d'autres normes ailleurs. Attends que ça...
Pardon. Ok, du coup, nous. Là. Ah, ok. Ah, faut que j'aille dessus, d'accord. J'aille dessus et je fasse rond. Ok. Ok. On l'a vu là, je crois. Ok, d'accord. Ouais. On va aller. Se remplir la jauge du truc. Ok, du coup, nous. Comment on court ici? J'aime pas quand on passe une porte et qu'il y a des saves là. Puis c'est trop noir là-dedans, il va y avoir l'autre. Courez! Ah ben c'est bien. Quand on arrive dans une zone, le premier mot c'est courez. Et ben voilà. Bon, je reviens. J'ai été me chercher à boire, je n'avais plus rien. Hop là. Tiens ma louloute. Alors, courez, leur avidité leur fait dévorer tout ce qu'ils voient. La lumière ne peut les stopper que quelques instants. Finalement, ils vont même finir par avaler la lumière elle-même et continuer d'avancer. Cool! La lumière nous protège, mais il la bouffe, donc au final, on va se faire bouffer quand même. C'est cool. Pardon. Ben, on va courir, hein, parce qu'à mon avis, il faut courir, hein. Du coup, attends. Mais je cours pas pour le moment parce que... Cours! Mais vas-y! Non mais, va sur mon bonhomme, non? Ah! Vite! Dépêche-toi! Mais allez là, dépêche-toi, non? Le machin. Ok. Allez, vas-y, cours. Dans le mur, forcément.
Allez, venez. Ouais, là, on est mort. On est mort. Et bravo les gars pour votre level. Par contre, du coup, comment ils poussent les trucs là? Parce qu'au final, là... je me rappelle plus. Je crois que c'est rond et L, mais. Pardon. Ok. Rond, je l'avais même pas fait. Elle a tellement de touches. Allez, mon petit pote, tu vas y arriver. Allez, hop. Mais dépêche-toi! Le truc c'est que je suis sur le côté au lieu d'être devant, c'est chiant. Que je serais juste en face, ce serait bien. Et comme il y a la lumière, ça m'aveugle en fait. Donc du coup, je fasse attention, c'est chiant. Ça les ralentit même pas en fait. Mais dépêche-toi, non, je n'ai pas. Ok, là je pense que je suis. Ou pas, oh putain, je suis. Ah, c'est où? Merde. Que ça m'a. Bon, au moins on a été plus loin. Attends. À la limite, est-ce que si je me mets là. Ok, donc là ça met ici. Ah oui, je peux pas voir plus loin. Dommage. Dommage. Tu vas bien, Sama?
qui m'a perdu, c'est qu'à un moment, je savais pas où aller, donc j'ai fait deux. Ok, maintenant je sais. Attendez, je bois un coup. Oui, ça va très très bien, je te remercie. Ça va. T'as bien dormi? J'adore ce truc. Ah, par contre, j'espère qu'il n'y en a pas pour 15 ans à faire les trucs, hein, parce que ça va être chiant, hein. On a trop, hein. Ah merde, j'ai dit ça en mauvaise souche, putain. On va se faire bouffer, là. Ouais. Bon, vas-y, mange-moi, parce que... J'étais pas sur la touche accélération, déjà. Ouais, bah c'est cool. Quoi de prévu aujourd'hui? J'étais pas sur la touche accélération, donc du coup... Pardon. Rien du tout. Rien du tout. Allez, vas-y, cours. Et toi, qu'as-tu fait de beau? J'essaie de me concentrer. Allez, allez, allez. Cours. Cours, 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 cours. Allez. Allez, mais dépêche-toi, fais un effort. On est mort. Et toujours ce truc là. On a resté un resto chien. Ah, c'est cool ça! C'est bien! Ça devait être un bon moment, c'est cool! Pardon! Attends! Je crois que. Je regarde mon téléphone, attends. C'est bon. C'est le dernier truc en fait. J'arrive à bien me mettre en face et le pousser quoi. Allez, on va y arriver. On va pas passer 3 heures là-dessus, du moins j'espère. Mais plus tu perds et plus tu as des. Pour moi, perdre, ça me gêne pas. Que plus tu perds et plus tu prends. Tu apprivoises l'endroit. Et... sans cesse n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que tu vois les erreurs que tu fais et tu peux pas refaire. Merde, bordel, ah, on est mort. N'oublie pas de mentionner les gens, sinon... Ouais, t'inquiète. On a réussi. On t'a humoré. Ah, c'est joli, ça. Oh, bah, ce passage. Ouh là là. Je pense qu'il m'a fait gagner du temps, c'est que j'ai eu le réflexe de me baisser pour les grilles.
la fiole de conscience. Oh, c'est beau. C'est joli. Ah, il y a une porte. Ah, parce que si tu l'as pas, tu peux pas passer. Oh. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller là, on va se faire buter, nous. Aujourd'hui, maman m'a demandé de lui emmener son seau au balcon. Il y avait des seaux de peinture de papa partout par terre et je les ai renversés sans faire exprès. Je sais que papa était friand quand il est furieux, mais je ne veux pas le mettre en colère. Mais son studio est toujours en désordre. Comment puis-je aller sans déranger ses affaires? Ah, donc je pense que celle qui nous poursuit, en fait, c'est l'interprétation de sa mère. Lui? Qu'est-ce que je fais? Je fais la barre ou je continue par ici? Parce que là on peut ouvrir. Ouais, ok, mais je vais continuer là-bas avant. En tout cas, j'espère que ce petit jeu vous plaît. Hein. Ok, donc du coup. Moi, franchement, j'adore. Je suis à fond dedans. J'aime beaucoup. On va aller en haut. Mais je suis tombée sur dessus par hasard. Je sais même pas s'il est sur Steam maintenant. Info game. Parce que je fouille. Non, ça y est pas. Je fouille surtout beaucoup le Play Store. Et je suis tombée dessus par hasard et franchement, j'adore le jeu. Ça m'a fait direct penser à Little Nightmare et tout. Alors attends, le résumé. Alors, le jeu se déroule dans un mystérieux monde onirique. Où le joueur doit affronter ses peurs dans une ambiance obscure et oppressante. Je sais pas si c'est sur le PC par contre, je sais pas du tout. Explorer le studio, trouver la clé de la pièce. Ok. Oh! Quand je vois des trucs comme ça. Tu peux te planquer derrière des trucs. Ok, la clé est là. Je sens que la daronne va se pointer. Et là, tu vas appuyer, ça va faire un sacré bordel, ça va tirer l'autre. Je le vois gros comme une patate. Ouais, c'est sympa de tomber. Et ces trucs-là, ça me fait tellement penser à des araignées. Comme une patate, mais je parle bien. Comment je cause, moi? M'attire lire.
c'est ça, non? Mais oui, mais je sais, mais je peux pas. Je peux pas aller chercher ma tirelire. Ou alors, il faut que je... Il y a un passage, de toute façon. Ouais. Et j'aime bien découvrir des petits jeux comme ça. Il est tranquille, il est... Ça brille en haut, tu crois qu'on peut... Il y a sûrement un truc à déplacer, aller dessus. Je suis sûre on va se taper l'autre si on machine le piano, là. Enfin, ou l'espèce de truc, là. Ça ressemble à tout sauf un piano. Ok, il y a forcément un truc à déplacer. Attends. Non mais vas-y, tourne là, fais un effort. Ah. Ça s'arrête là? Oh putain, il fait noir en plus, oh fais chier. Je te disais. Rébéré. Elle est où la morue? Ok, elle est là. Elle a même maillé. Ok, elle est là, moi je suis là. Évidemment, faut que je passe où elle est, cette grosse mémère là. Là, je pense que ça doit être Laura de sa mère, du coup. Parce qu'on voit souvent des petites scènes où... C'est un enfant qui pleure parce que ses parents se disputent. Attends, comment je saute déjà? Ok. Si je tourne autour de la table, elle me verra pas. Putain, j'ai l'impression d'être bourré là. Ah merde. Bon, c'était un bon plan. Alors, comment tu sautes? Là. Ok, donc attends. Voilà, ok. C'était un bon plan, sauf que... On est un peu tombé dans le truc. Ok,
Ok, donc là, il y aura le passage qui va s'ouvrir ici. Et bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ah, c'était une bonne idée, sauf que, ben voilà. Par contre, là, mettre le passage, mais on ne peut pas y aller. Est-ce qu'il y aurait un truc à faire tomber ou autre? Ah! Je peux ouvrir même s'il n'y a pas d'interaction. Ok. Là, ça brille en haut, donc je me demande vraiment si on peut le prendre ou pas. Ah, bah attends. Du coup, faut aller chercher la clé là. Pour revenir ici après? Ouvrir cette porte? Oh bordel. Oh bordel. Bon, je reviens. Je vais au petit coin, j'arrive. Ok. Donc on sait quoi faire maintenant. On sait qu'on peut tourner autour de la table et d'un coup. Est-ce que je peux courir en étant accroupi? Non. Dans l'autre sens. Non. Oh là là, ne réglez pas votre téléviseur, c'est normal. J'arrive.
Bon. On a été trop vite, mais je pense pas qu'une fois qu'on a sauté sur le premier truc, elle peut nous suivre. Elle peut peut-être nous choper, mais... Elle peut peut-être nous choper une fois qu'on est sur le machin, je ne sais pas. Elle, je me demande si c'est pas la représentation de sa mère qui voudrait dire qu'on aurait aussi la représentation de son père. Mais saute! Ouf. Là, ouais, ok. Ok, donc là, on peut passer là. On a failli se faire choper quand même. D'accord, donc si on saute, elle nous entend. Ok. Ok, ok, ok. Et une fois qu'on est descendu, on peut pas remonter tout à l'heure. La daronne. Attendez. Déjà.
Je reste mute 5 minutes, hein, vous en faites pas, c'est normal. J'arrive.
Coucou Lady, comment tu vas? T'inquiète pas, je mute un peu. Maman. Je suis désolée, un petit souci avec Rebecca, donc je mute. Hein. Vous en faites pas, je suis là. Comment ça va, Lady? Ouais. On a eu chaud là. Et merci Lady pour ton riz à biscuit. Moi j'avais pas fait attention. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, c'est vraiment un très très beau jeu. Pardon. Je suis vraiment contente d'être tombée dessus. Merci encore Lady. Merci beaucoup. Vous étonnez pas si je vais lire. Ah bah on est mort. J'avais pas vu qu'elle était dans la pièce là. Ok, bon là du coup je vais être obligée de couper parce que souci avec Rebecca, donc du coup je vais couper et je vais m'occuper d'elle. Merci encore Lady pour ton resub. Rebecca chut. Donc si si je peux, je relance tout à l'heure, sinon voilà. Plein de bisous, merci de votre présence. Et désolé Lady, t'auras pas vu grand chose, mais du coup, il y a des priorités. La toune, la toune. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et peut-être à tout à l'heure. Bisous tout le monde, désolé. Et merci encore Lady. Merci.